Et wesh l'équipe, c'est Johnny, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, la forme, les frérots. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Un Scrabuder pour Fut Champion. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une Bundesliga. Donc clairement, 4-3-2-1 pour Fut Champion. Bah, vous allez voir que bah, c'est du lourd. Moi, personnellement, j'ai fait un. Donc pour cet épisode, par rapport au dernier, je vais pas mettre des gameplays parce que la vidéo est beaucoup trop longue. Je vais juste mettre des affiches pour les joueurs phares et parler un peu plus en détail de ces joueurs là. Et pour le reste de l'équipe, je vais passer en rapidité, mais de toute façon vous voyez l'équipe et je vais vous dire ce que j'en pense à la fin, les frérots. Donc alors le goal, il a son affiche, les frérots. Donc c'est Leno, 1m90, 24 ans. Point négatif pour moi, c'est les dégagements. Bah, 80 dégagements, c'est pas souvent très précis. Il fait quelques boulettes, donc ses notes, vous pouvez les voir juste en tous. Ses plus mauvaises notes, c'est 6,5 et 6,6. La plupart du temps, c'est soit dû à une boulette qu'il a faite dans le match, soit que je me suis fait ouvrir en Y. C'est un des deux. Mais sinon, clairement, pour le prix qui coûte, c'est vraiment le meilleur gardien de Bundesliga derrière Neuer. Mais Neuer coûte 200 000 crédits et c'est justement dans les points positifs. Il est pas cher, il est grand et 4 fois de mauvais pieds. Bah, c'est quand même une qualité pour un gardien d'avoir le pied gauche et le pied droit. Donc après on passe rapidement sur Tah. Donc vous voyez 72 de vitesse, 118 de def, 118 de physique. Donc pour 750 crédits les gars, ça fait largement l'affaire. Certes il y a mieux mais beaucoup plus cher. Donc je trouve que pour 750 000 crédits c'est quand même un très bon joueur. Après si je prenais plus cher, l'équipe allait partir dans des 1 million de crédits. Et je voulais faire une équipe un peu plus, un peu moins chère que la dernière fois. 1,94 m, c'est une tourelle, c'est une tour, hein, on va pas se mentir. Après à gauche Wendel, un défenseur classique, rapide, qui laisse quand même pas mal de trous derrière lui. Donc si vous avez les crédits, vous pouvez mettre à la bas. Mais je trouve que pour un DG, mettre 100 000 crédits, bah, c'est trop cher. Donc j'ai préféré prendre Wendel, il fait largement l'affaire pour 850 crédits les gars. Après à droite, on a Lucas Piszczek, c'est un peu la même chose que Wendel. On peut mettre l'âme, mais je trouve que l'âme pour 20 000 crédits fait quasiment la même chose. Sauf il est un peu meilleur en défense et un peu meilleur en passe. Sinon il fait quasiment la même chose que Piszczek. Donc workrate moyen moyen, 80 def, 80 def, 80 de physique, 119 de vitesse, pardon, je bégaye, 1m84, clairement c'est du classique, c'est rien de fou, mais c'est pas dégueulasse, ça fait largement l'affaire. Et là on passe à l'homme de la défense, donc vous voyez l'affiche qui s'affiche, ouh, oh le jeu de mots, non, l'affiche que vous voyez maintenant à l'écran, donc... Socratis, 28 ans, 1m86, donc ce que j'ai à dire en mal de lui, bah c'est ses passes, clairement la relance c'est compliqué, c'est plus mauvaise, sa plus mauvaise note, enfin ses plus mauvaises notes, c'est 6,6 et 6,5, c'est workrate moyen moyen, donc 118 de vitesse, 85 de défense, 83 de physique, je le trouve largement supérieur à Hummels et il est beaucoup moins cher, je l'ai acheté 4700 crédits, donc actuellement il y a 4000 crédits à peu près, il est largement supérieur. Hummels pour moi, il est quand même inférieur à son boost, qui est tout à fait normal, et à Boateng, mais pour un prix de 4000 crédits, clairement, c'est mon joueur préféré en défense. Après, on passe directement au milieu, donc Renato Sanchez. Je vais pas rester 20 ans, vous le connaissez, un monstre hyper physique, et workrate élevé, élevé, 1m76, 82 de vitesse, 84 de physique, ça fait clairement la diff. Après, Vidal, c'est pas mon joueur phare de ce milieu, clairement, tout simplement parce que... Il y a mieux dans le jeu, mais en Bundesliga, il n'y a pas mieux. Et je trouve que pour 169 000 crédits, bah Vidal, c'est un bon joueur. Mais pour 169 000 crédits, on peut trouver mieux. Mais clairement, il fait largement... Il est très bon quand même. Hein. Workrate élevé, élevé. Il m'a mis 15 buts, 17 passes décisives. Il a de très, très, très bonnes stats. Il défend très bien, mais sait se projeter vers l'avant très facilement. Et une très, très grosse frappe. Donc, on passe maintenant... Pour le mon joueur préféré du milieu, donc mon joueur phare du milieu, donc c'est Kimmich, le frérot. Il a 21 ans, 1m76. Ce que je pourrais lui mettre en défaut, bah, c'est qu'il est petit, clairement, à la tête, bah, c'est très compliqué de prendre un ballon de la tête. Ses frappes, bah, elles sont bidons, il a une frappe naze, comme vous pouvez voir sur la 405 de tir. Après, par contre, c'est un très bon passeur, il est solide défensivement, un peu comme Renato Sanchez, c'est-à-dire qu'il est... Il est crapu, c'est-à-dire que sur les physiques, il va rester à terre, il met de très bons coups d'épaule, il se porte très facilement vers l'avant. En 8 matchs, il m'a mis 3 buts et 6 passes décisives. Ses plus mauvaises notes, c'est 6,1 et 6,9. On passe directement à l'attaque, on passe sur la play, les frérots. Donc, Mbolo, donc c'est la carte évolutive que j'ai depuis un petit moment. Donc, les matchs, vous voyez que j'ai fait plus de matchs
sur la play que sur les affiches, c'est parce que la plupart des joueurs, en fait, c'est des joueurs que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas revendu parce que c'est des joueurs que j'aime bien et que je préfère garder. Donc Mbolo, la carte évolutive, bah vous le connaissez, très crapu, très physique. Il est quand même meilleur en buteur, c'est tout ce que j'ai à dire. Le problème, c'est qu'en buteur, bah, il coûte 150 000 crédits de plus. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 1m85. C'est un monstre, on va pas se mentir. C'est un monstre. Après, Werner. Werner, un joueur que j'ai quand même depuis pas mal de temps, que j'aime bien. Après, c'est sûr que pour moi, Oba et Mbolo Bu sont meilleurs que lui. Le problème de Oba et Mbolo Bu, bah, c'est qu'ils sont beaucoup plus chers. Donc, pour 68 000 crédits et actuellement 60, 55 000 crédits sur play, il n'y a pas mieux. 92 de vitesse, 80 de tir, 77 de physique, 70 de passe. Il n'y a clairement pas mieux. 4 étoiles de mauvais pied, il est quand même bon devant les buts, même s'il croque pas mal, il croque beaucoup plus qu'un Oba ou un Mbolo devant les buts. Et mon joueur phare de cette attaque, les frérots, c'est le français Ousmane Dembélé à gauche. Donc c'est la carte Ligue des Champions comme Kimmich. Donc il a 19 ans comme vous pouvez le savoir, 1m118, son pied fort c'est le droit, work rate élevé en attaque, moyen en défense. En 8 matchs il m'avait déjà mis 11 buts et 2 passes décisives, c'est plus mauvaise note, il y a juste à voir, sa plus mauvaise note c'est 7,8 frère. C'est l'intello de ta classe, c'est le mec quand il a 16 il est pas content tu vois. Bref, ce que j'ai à dire sur lui quand même en négatif c'est qu'il est trop fébrile, clairement en physique, comme on peut voir 56 de physique, bah il se prend très facilement des coups d'épaule et sa finition est moyenne. Bah il n'a pas la finition d'un Aubameyang, c'est-à-dire qu'il va quand même croquer sur 5 face à face, il va en croquer 2 et pour moi, bah, pour une carte qui coûte 60 000 crédits, bah, j'aimerais qu'il croque moins quoi. Après ses points positifs, il y en a beaucoup plus que ça, mais j'ai retenu ça en évidence. Il est agile techniquement, il est très très rapide quand même, il atteint très rapidement sa vitesse de pointe qui est 86. Et c'est un très bon passeur, il lâche de magnifiques passes décisives et de très bons centres. J'aurais pu rajouter aussi les 5 étoiles de mauvais pied, peut tirer du droit ou du gauche, c'est la même chose. Donc les frérots, les prix s'affichent, enfin ils s'étaient affichés depuis le début de la vidéo, mais si vous ne les avez pas vus, ils s'affichent à droite juste en dessous de la note globale et du collectif. Donc c'est 300 000 sur Xbox et 400 000 sur Play, les prix peuvent varier, ne me dites pas en commentaire que les prix ont varié les frérots. Donc j'espère que vous avez kiffé cette équipe. Si vous avez joué avec cette équipe et que vous avez fait un bon résultat ou même un mauvais, vous me dites dans les commentaires vos résultats en FUT Champion. Moi j'ai fait hors 1 avec cette équipe. C'était Juni. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, peace.